Et oui. Cypher, il est de retour. Merci d'être avec nous. Événement aujourd'hui à la nouvelle Efira. Ils ont tous décidé des grosses gueules, les mecs. Le 25e anniversaire de la fin de la guerre contre les locustes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir deux générations d'hommes et de femmes qui ont bravé tous les dangers, qui ont mené des batailles sans lesquelles nous ne serions pas là. Dans l'un des épisodes les plus vieux, fatidiques des guerres pendulaires, Asphofields. Santiago! Je vous épargne les discours d'encouragement, soldats. Vous savez ce qu'il faut faire. Oui, chef! Très bien, en avant! Démolit la tour, on les prive de communication, puis on attaque le labo. Si le commandement a un rayon d'homme, on lui donnera le rayon d'homme. C'est toi à côté là. Ok, en avant! Bah, sûrement, j'aurai un masque, c'est sûr. Ah ouais, ok. Je suis une meuf ou. Allez, les Gears! On n'aura pas d'autre chance de récupérer ces plans. Quand on aura détruit les tours radio, la base sera coupée du monde. Oui, chef. On a des indés! Oh! Fais-les! Vite à couvert! Je les tire! Éliminez-les, vite! Bien joué, soldat! Continuez, la tour est devant! Allez, le major nous attend! Fait deux fois, descendez! Tu vas? Un indépendantiste en moins! Ils sont retranchés, faites le tour et attaquez le flanc. Mec, il se met what the fuck, c'est bizarre. Ouais, pour attaquer le flanc quoi. Ouais, il est en marche. Allez, la tour est juste devant. C'est quoi, c'est quoi? Une mine. Voilà qui t'a Bah, on va à droite, t'as une arme. Les doyeurs ici, Green 1, on arrive au feu de joie. Ça, bien sûr, Green 1. Putain, ces noms de code sont vraiment inutiles. Bien, posez une charge sur cette tour. Charge posée. Oh. On a craqué l'allumette. Bien sûr. On allume notre feu de joie dans 3, 2, 1. J'ai posé une charge pour que ça pète le toit de la tour là-bas. C'est beau ça. Ah, c'est bon. Ça y est, cette base est complètement coupée du monde. Oh, et on arrête avec les noms de code, Santiago. On se retrouve au labo. Oui, chef. Le labo est derrière ce portail de sécurité. Des nids de mitrailleuses. On se sépare. Vous deux, allez à gauche. Gaspillez pas vos balles, faites le tour. J'ai fait une mine dans mon... Ah,
Vous deux, vous avez les codes d'accès. Ouvrez le portail. Et voilà, l'attaque a officiellement commencé. Allons-y. De quoi ? T'es deux en mauvaise position. J'arrive avec mon flingue au calme. Vous savez ce que vous avez à faire. On élimine les gardes, on accède au labo, on récupère les plans et on se casse. Je peux prendre des mines. À gagner cette guerre. Si on bosse bien, le système sera effacé et les scientifiques indés recevront une offre qu'ils ne pourront pas refuser. C'est bon, on est dedans, allons-y. Le labo est devant, tuez-les. Descendez-les. C'est bon. Repoussez-les. C'est bon, on y est. Allons retrouver le major. Plus vite que ça. Moi j'aurais voulu le bot à la place de la meuf. Avec toi. Entendez-vous avoir envie, soldat. Moi aussi, major. Débarrassez-nous de ces indés pour qu'on puisse passer à la suite. Ouais, chef. Des indés. Ils sortent du labo. Je suis pas aveugle, soldat. Allons récupérer ces plans. Comme ça, j'ai pu m'assurer la maîtrise. Poussez-vous, soldat. Ces scientifiques gardés n'ont pas l'air pressés de nous rencontrer. Bruce. Ah, mais il est là, fais-moi plaisir et ouvre cette porte. Gears, écoutez-moi. Si on n'est pas ressorti dans 10 minutes, arrêtez la mission et tirez-vous d'ici. Ok, Santiago, allons voir nos nouveaux amis. Je vous suis, commandant. Ah. Bon, bah, là, on va être les deux là, du coup. Là. Même pas. À gauche, des indés. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, c'est moi qui a fait ça. Repoussez-les. Utilisez la tourelle. Des merdes avec ça.
contrôle. Le colis est en sécurité. Nettoyeur, allez à la plage pour l'extraction. Vous entendez ? Mortier ! Oh, tir de mortier en approche ! Il conseille de courir, Major. Vers la plage ! Go, go, go ! Courez, ne restez pas là ! Vous arrêtez pas ! Le bateau est devant ! Allez, continuez ! Oh merde, j'y vois que dalle ! En dessous de la gueule. Ouais. Quand les vaillantes forces de la CGU ont capturé les plans de l'URI pour le rayon de l'aube, nos peuples ont survécu au conflit le plus terrible que notre histoire ait connu à l'époque. Et à peine 2 ans plus tard, un nouveau cauchemar. Un nouvel ennemi. Une nouvelle guerre. Contrôle, attention. Déviez le convoi du colonel. Désolé, caporal, on est très calmé. Négatif, contrôle. Le palais des souverains est une zone rouge. Caporal Kim, la ville entière est une zone rouge. Entendu, contrôle. Allez, Gears, le convoi du colonel Hoffman va avoir besoin de protection. Caporal, on arrive. On y est presque, contrôle. Non, on est fondé. Oh merde! Laisse qu'on voit! Y'a des monstres là. Attention! Voilà, tente de ces saloperies! Putain, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Caporal. Kim, chef. Le lieutenant Strad et moi avons besoin d'une escorte. Félicitations, vous en êtes. Colonel, je m'appelle Kim, vous parlez, chef. Maintenant. J'ai le code de cette porte, colonel. Cool pour toi, mon gars. Tenez ces escaliers avec le rayon de l'aube. Je reviens dès que je peux. Oh merde! Ça craint! Allez, vous avez entendu le caporal, il doit pas entrer. Il nous fonce dessus. Utilisez le rayon.
Merde, attention! Repoussez-le! Ils nous font des renforts, bordel! On n'en aura pas, ne lâchez rien! Ça roule! C'est de la folie! Ne les laissez pas approcher de la porte! Des centaines de milliers de gens sont morts. Le bah jour ouais, de nous. L'émergence venait d'avoir lieu. Une deuxième fois en plus. T'inquiète, on respawn. Comme nombre d'entre vous, je n'étais alors qu'une enfant. Ce fut une période elle a dû respawn aussi, elle. Et absolument rien ne garantissait notre victoire. Il y a pas un truc là. Moi je joue les méchants. Oh, je comprends. Ça sera abusé quand même. On va défendre les forteresses. Je sais, vous êtes des médecins, mais on a besoin de tout le monde sur ce mur. Allez! On a le même personnage. Non. Aidez ce soldat à se relever! Ah oh, putain, les bras que j'ai, quoi, c'est nul. Tout va bien. Allez les Gears, montez à cette échelle! Oh. Allez, montez! Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Et le déchet d'accord. Je monte avec une main. Oh, t'as pas fait. Consonnez-moi tout ça! Et grimpez à ce mur! Quand elle parle, là, je fais sur la langue, elle. Là, quoi, là. Elle là. Oh, je pouvais changer. Bonjour. Oh. Allez, continuez de tirer! Défoncez-les! Voyez la cour maintenant! Ne laissez pas monter! Visez bien! On gaspille rien! Pour ça! Garde l'explosion! Ah putain, ils sont partout! Non! Ne les laissez pas monter! Cette tourelle et m'arrose tout ça! Mais merde, y'en a des centaines! Bordel, y'en a encore! Oh merde! Victor! Un brumac! Je le vois! Gears, tout sur lui! Allez, espèce!
espèce de gros enfoiré. Viens par là. Pour que le sergent Phoenix soit des nôtres aujourd'hui. Il est encore vivant, t'inquiète. Prenons le temps de penser aux hommes et aux femmes dont les sacrifices ont sauvé notre civilisation. Grâce à eux, nous avons tenu au long crépuscule. Nous avons ramené la prospérité. La nouvelle CGU nous a offert. Heureusement que c'est pas l'autre qui parle avec sa cheval à la langue. Sans souffrance. Ça va aller, hein. Nous vivons en sécurité. Marcus Phoenix dans un monde nous a sauvés en paix. Il s'est sacrifié. Il nous a piraté tes vieux écrans. Ah ouais. Voilà. Recon. Il n'y a que le OEN. On. On est dans le prédateur, non ? Hé ! Alors, tu viens ? Pas que j'ai Recon. Pour un papillon ? Ouais, regarde. Hein ? Tu sais comment cette petite chose grandit ? Moi, je sais pas. Elle cherche à survivre. C'est vrai. C'est un peu ce qui fait ça pour l'épaule. Ce qui est rarement le cas, elle trouve un moyen de changer. Bah, elle parle beaucoup pour la une personne secondaire. Une chrysalide. À l'intérieur, elle se détruit et se reconstruit, change de couleur, de forme, il lui pousse des ailes et des griffes. Voilà. J'adore les extraterrestres. Elle lacère les parois de sa cage et ensuite... Bon, ça, c'est un papillon. Et ensuite, elle devient magnifique. J'ai envie de la baiser. T'aurais pas dû venir. Et la enveilleuse, JD. Celle-là. Et après, il y a deux autres aussi. La fille de sa mère. Elle a de qui tenir. J'ai de qui tenir. Moi, je veux au moins le mec barbu, là. Non, non, pas cru, ils vont nous donner comme ça. Avant, on protégeait les camps de la CGU. Et là, on en attaque un. C'est pas il y en a 4, hein. Il y a un coup à 4. Les étrangers sont forts choisir. Pour ça. Jusqu'à ce que vous vous pointiez. Maintenant, quel ennui. L'ennui vaut mieux que la mort, papy. Y a une différence. Pas d'alarme, mais je vous en prie. Ouais, on n'est pas prêt de s'ennuyer. Mais mourir, par contre... Ce n'est pas l'alarme de sécurité. C'est la meilleure de le carrer. On peut les s'abriter dans l'enceinte du camp. Allez au wagon, tout le monde. Go. C'est les mains de Dragon Ball sur le camp. Ah, c'est les mains de... Jeune force. Je vais pas trouver des mains comme ça, j'ai pas fait gaffe. Un cheval, là. Qui tire un... Question de laisser de choses. Vas-y. Ouais. C'est bon. Je peux pas prendre le gros parce qu'il est resté derrière nous. Le fort est en train de tout détruire. Attends, il y a la meuf. Merde. Le brise-vent est fermé.
franchir cette clôture. Oui, mais comment? Y a pas de portail. Alors, on va devoir la battre. Passe entre les deux, toi, t'es mal. Et si on utilisait ces tuyaux? Aussi il était en dessous. Vas-y au bout de. J'étais encore plus noir que noir. Il a frappé le barbu. Là. Ah, le barbu lui il est tranquille. Ah bah non, vous avez rien. Hey, j'ai raté un truc. Tout le monde va bien. J'ai toujours son bonnet. Parfait. Hey, petite. Putain, les gens ici. Les gens qui ressortent. C'est un jeu vraiment juste pour. Alors, déserteur. Ça pète les yeux, genre c'est spectaculaire et tout quoi. Non, mais je veux dire, l'électricité, on a pas besoin de toi, tu sais. Rena a confié cette mission à Del et moi. Il y a beaucoup de trucs quoi. Désolé, gros malin. Moi je la suis partout. J'ai plus besoin de babysitter, tu sais. Alors je serai ton chaperon. Tu serais pas plutôt un vieux pochetron. Tu manques vraiment pas d'air, toi, hein? Tonton, tu as picolé, tonton. C'est clair. Un petit picole, bravo. C'est vrai, j'ai un petit coup dans le nez. Tu vois l'immeuble là, toi tu vois les chevaux. Les camps CGU sont construits à partir de l'intérieur, donc le fabricateur est dans la tour de construction, au centre de la ville. Alors on le prend et on se tire. M'étonnerait pas que ça grouille de dev potes ici. Y a pas eu d'attaque d'étrangers depuis au moins 6 mois. La surprise va jouer pour nous. On surprend pas un robot, gros malin. On commandait des dev bots, tu te rappelles? Ah ouais, c'est ça comme au camp 2. Eh, c'était pas leur faute. L'entêtement, c'est pas ton plus gros problème, petit. Ok, voilà la tour de construction. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen de l'atteindre. Apparemment, il n'y a pas d'autre option que de descendre. Allons-y. Il y a 2 semaines, il n'y avait rien ici. Et maintenant, ils construisent le cercle extérieur? Eh bien, ils n'ont pas à se soucier des attaques. Ça doit faciliter les choses. T'as maté leur bras tout seul. Hein? Pourquoi t'as vu les visages sur son bras? Baissez-vous. Bah, je pouvais changer d'arme avec lui. Je regarde s'il y avait d'autres trucs. Inquiéteur. Je peux partager les mines avec toi aussi. Il faut qu'on continue comme ça. Non. Et je suis obligé de le viser pour faire ça. Vous savez, plus on s'enfoncera vers le centre, plus on aura de dev bots au cul. Et c'est justement pour ça que les gens devraient y aller tout seul. Pourquoi tu veux se prendre, on pourra parler. Alors regarde ce que je peux faire. J'ai fait 15 ans dans la CGU. Je suis parti des armes. On peut même échanger les armes avant. J'aimerais bien parler avec elle de cette soi-disant guerre qu'elle veut déclencher. Je peux échanger mes munitions. Sinon, il y a une autre option. Ne pas se faire prendre. Je savais pas qu'on pouvait échanger les armes aussi. Les échelles. On va remonter. Merci. Ça explique pourquoi les travaux avancent si vite. Heureusement que c'était un constructeur et pas un quêteur. T'inquiète pas, Oscar.
crois que je sais comment éviter les guetteurs. Une sacrée vite, ouais. Restez où vous êtes. Ah merde. Les veilleurs vont vous escorter vers la sortie. Laissez-moi gérer ça. Citoyens, vous n'avez aucune autorisation. Ça, c'est le gros qui a tiré. Ouais. On n'est pas des citoyens. Vraiment. Quoi ? Citoyens voudrait dire que nous prêtons allégeance à une autorité centrale. On fait plutôt partie d'une sorte de collectif anarchiste. Citoyens, votre acte de violence a été enregistré. Ok, je pense qu'on va devoir... Certainement pas. Encore un veilleur détruit. Super. Maintenant ils savent qu'on est là. Qu'est-ce qu'on fait, gros malin? Pour se battre, maintenant, je pense. Changement de plan. On essaie d'atteindre le fabricateur. C'est bon. Ah, ça m'a TP. Bonjour. Tout brosso. Mettez vos couverts. Puis poussez vers l'avant et appuyez sur. Ouais, j'arrive. C'est bon! Les pulvérines! C'est à moi maintenant! C'est comme ça qu'on sprint dans le jeu, donc on peut pas changer depuis le tout premier. Donc. Merde, les pisteurs. Déserteurs, qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté de ces machines? Vos camarades vous manquent? Oscar, arrête, tu veux? Attention! En voilà d'autres! Attention à l'explosion! Ok, implosé, je crois. Ah, bah t'es mort, bah ouais. Ça me dit, ouais. J'ai une grenade ou je sais pas quoi là. Merde, bon. Des pisteurs. J'ai vu que la meuf elle m'a lancé des grenades. Ah bah t'as cool. Prends ça. Alors les déserteurs, qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté de ces machines? Vos camarades vous manquent? Oncle Oscar, arrête, tu veux? C'est bon, on les a tous eus. L'un d'entre vous voit une issue?
Je vois un portail de sécurité. Ah, bien sûr, il est verrouillé. Ok, attendez. Laissez-moi réfléchir. Waouh, wow. C'est toi qui as fait ça, j'ai rien. Non, ah bah, c'était pas ça moi. Pour moi pour... Bah ouais. Vous êtes sûr de ne pas être des espions de la CGU? Oscar, arrête. Je crois que la CGU a inventé les rafales. Il y a encore de l'enfer. Et alors c'est pas le cas. Enfin, espions ou pas, au moins on n'a pas à vous apprendre à vous battre. Ouais, c'est quoi le problème des étrangers? La plupart des hommes de Rena n'arrivent même pas à quitter leur lit. Ouais, tu parles d'un professeur. Il m'a appris à me battre. C'est un miracle que je lui parle encore. Quand tu recharges, j'ai pas arrêté de t'encourager. C'est une façon de voir les choses. C'est très loin de la vérité. C'est plus raffiné. Attention, Deadbot en approche. Choix de mort. Aidez-nous à vous. C'est pas moi. On a croisé le projet. La tour de construction est devant, on s'en approche. Super. Regardez, la tour de construction est juste derrière ce mur. Donc à moins qu'il s'abaisse par magie. Non, on, hey, on a qu'à passer par le bloc maternité. Oh, il y a la porte obligé. Là-bas en marron que j'avais vue. C'est par là qu'on continue. Qu'il y a c'est tous ces trucs de bébé. T'as un problème avec les bébés? T'avais déjà ouvert une porte comme ça. C'est juste que donc, j'en ai marre qu'on me rabâche que je dois en faire un. Ouais, mais ça marche quand même. Je remercie ma mère de m'avoir élevé loin de tout ça. Ouais, enfin, ceci dit, on a besoin de repeupler. Ah ouais? Où est-ce que je signe? Voilà la tour de construction. S'ils suivent la réglementation, et ils la suivent toujours... Ok, le fabricateur est à l'intérieur. Et cet accès de service, c'est notre point d'entrée. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Trouvons cette porte d'accès. Déjà collecté. Je crois pas qu'on fait demi-tour là. Parce que c'est pas la tête. Bah on fait pas demi-tour. Ah bon? Bah non.
Oh, bizarre. Où les arcs? Attention, un guetteur. Contact. On peut faire gaffe. C'est pas terminé, les jeunes. Oh, au moins, ça amuse. C'est bizarre que je vois rien. Commencez. On va jouer au foot, hein. Avant d'avoir d'autres deathbots. C'est la boue. Les gars, il y a tout un régiment de deathbots qui nous arrive dessus. Leur détruit. Voler ce foutu fabricator. Oh, regardez ça. Ah, mais c'est toi qui la CGU a désactivé nos codes d'accès. L'État nous aime pas trop, tu sais. Quoi? On vous apprend même pas à pirater un petit code d'accès à la CGU? Laissez faire le pro. Poussez-vous! Il va péter tout. C'est une technologie CGU ultra moderne, ça m'étonnerait. Ok. Vous deux, allez récupérer le fabricator! On surveille la porte. J'y vais aussi. Non, non, pas toi. C'est plus sûr ici. La porte se ferme, les bleus. Quelle merde. Allez, en piste pour le braquage. Ouais, notre fabricateur se trouve dans un de ses entrepôts. Bon, techniquement, c'est leur fabricateur. Ok, voilà les commandes du wagonnet. Appelons le monte-charge et allons-y. Les tours de construction sont aussi énormes? La taille, la forme, la structure, tout est identique. Ok, on descend dans les entrepôts. Kate, tu nous emmènes là-bas. Dale, viens avec moi. Alors, je me suis pris la tête avec mon oncle pour appuyer sur des boutons. Ok, je reste ici. On est dedans, fais-nous descendre. Hey, y a un problème? Bah, ça dépend. C'est un problème si j'appuie sur un bouton au hasard? Ah, c'est bien, c'est beau. Essayons celui-là. Hey, qu'est-ce qui se passe? Y'a plus de courant? Je m'en occupe. Notre braquage commence bien. Y'a plein de trucs ici. Et... Tu vas là dedans, là, nous viens. C'est pas le moment de ralentir, ok? Désolé, mais c'est pas moi qui ai demandé à appuyer sur des boutons, d'accord? Merde! Et maintenant? Qu'est-ce que tu fous, Kate? Je me suis fait éjecter du système. J'ai coupé le courant pour le relancer. Tu commandes cet engin ou pas?
Ouais, mais tout en bas, ça c'est dur. Ouais. Y'a rien en bas, comme ça. Faut monter d'un étage. C'est bon, ça vite. Ouais. Dell, fais-moi penser à te confier les commandes la prochaine fois. Léo, je t'entends, je te c'est signale. Quoi, ça, ça ah, ok. Regarde, voilà le fabricateur. C'est ça. Allez, mettons ça dans le monte charge. Tu peux t'aider ? Oh là là. Ah, je vais pour ça. Attends. Je peux pas, ah non je peux pas. Sinon j'ai essayé de le prendre sur le côté pour voir si ça faisait autre chose. C'est bon, c'est chargé. Kate, tu peux le remonter. Ça marche. C'est Marcus. Il est en pelé ça maintenant. Avec la bulle courant, je commencerai par prendre une bonne douche. Non, on peut fabriquer. Oh, ah, depuis quand tu te laves? Ouais. Depuis quand t'as appris à être drôle? C'est à moi maintenant. Pas ça, c'est un peu ce que j'ai fait, mais tout va bien. J'ai fait une grenade. Oh, j'en ai 4. Hey, attendez une minute, Kate, il bloque le mont de charge. Ouais, je sais, la moitié des voyants sont rouges. Et ouais, je me suis fait encore éjecter du système. Alors, essaye de le pirater. Chiné, dépisteur. Il faut qu'on les repousse. Notre pisteur. Il en arrive d'autres. Hey, ça donne quoi de ton côté? Je suis en train de contourner le verrouillage! Ils se font bien au juste! Je commence. Merci. Une heure en moins! Et voilà! Pas mal pour une pousseuse de boutons, hein! Bah, tout ce qui peut remonter, de toute façon. Et merde! Bordel! C'est pas vrai! Kate! Hé connard, t'as qu'à faire le faire toi-même si t'es pas content! Juste dépêche-toi d'arranger ça! Veilleur en approche! Je
Yes, j'ai réussi à forcer l'accès. Et si je vous sortais de là, hein? Oui, s'il te plaît. J'essaie justement de faire le contraire. Les grenades de choc, les grenades de fragmentation. Une grenade de fragmentation, c'est les trucs qu'on a au début. Là. Une grenade de choc, c'est ce qui éclipse que je lance. Hein. Attends, Kate, tu viens de louper notre arrêt. Je suis pas devant la console, JD. Je me fais attaquer. Un truc ou je sais pas quoi. Belle, on doit aller l'aider. Ben, là, moi, à moi. Venez m'aider. Sniper ça. Fabricateur d'ici. Hey, tu te souviens de ce que t'as dit à Rena quand on parlait de trouver un fabricateur? Maintenant. Allez, vas-y, je t'écoute. Hein, on rentre et on ressort. Un jeu d'enfant, mot pour mot. Un peu, quoi, je pense. Ça veut dire qu'on a fait le plus dur, pas vrai? Allons voir Oscar. Qui va vraiment, vraiment m'en vouloir. On va se peut-être. Moi aussi, ça va un peu plus vite. Hein. Voilà, c'est ici, hein. On est bloqué avec. On a les mains collées sur Oscar, le truc. Oscar, on a le fabricant. Thor. Salut. Lieutenant. Ouais, forcément. Ça faisait longtemps. Premier ministre Jean, vous êtes... magnétique. Fini les bêtises. Vous venez avec nous. Ah, il est mort, qui m'appelle. Jamais vu cela. Et ils sont armés? Eh oui. Et ce qui est plus important, contrairement à vous, c'est qu'ils exécutent les ordres, eux. C'est quoi, ça? Vous cherchez à refaire le camp d'eux? Une opération très réussie. C'est désormais notre camp le plus conforme. Ah, mais c'est le village n'a plus d'électricité depuis des semaines. Il nous faut le fabricateur. Je me contrefous de ce fabricateur. Oh, je reviens vite fait, du coup. Vous me prenez des gens. Quoi? N'oubliez pas, je sais ce dont vous êtes capable. Au revoir. Mais de quoi elle parle, bon sang? Aucune idée. Mais faut partir vite d'ici. Plutôt bizarre, mais on va pas se plaindre. Désolé de t'avoir laissé ici. Ça va. J'étais plus en sécurité dedans. Hé, le bleu! On va vraiment monter là-dedans? Bah ouais, mais on t'oblige pas à venir, tu sais. Je suis pas impressionné. Je pense qu'ils s'en foutent, Oscar. Hé, hey, ça
Arrête de parler et on va. Kate et toi, portez le fabricateur. J'ouvre la voie avec Dell. Bon, que les choses soient claires. Quand vous êtes arrivés, j'étais sur le point de sortir ma botte secrète à Jin. N'allez surtout pas croire que vous m'avez sauvé. C'est clair ? Ouais, Oscar, on y croit tous. Quelqu'un voit une issue ? Hein ? C'est quoi ça ? Oh merde ! Il défonce les murs ! C'est bien, vous travaillez bien. Vite, par ici. Il est temps de se casser. Tu sais quoi ? Finalement, je suis assez souvent d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment avec Parsec et les millions de choses. On dort, on approche. Ah, c'est pas grave, hein. C'est bon, ils sont tous morts. Je commence à regretter cet assaut. Je pense qu'on a déclenché une guerre. T'as entendu ce que dit Jin ?
Tout ça n'a vraiment rien à voir avec ça. Pour un fabricateur. Il faut qu'on rentre et qu'on en parle avec Rémi. Un truc qui fabrique comme ça. Ouais. S'il y a bien une chose dont ma mère aime parler, c'est la CGU. CCP. Attention, des pisteurs. Allez, on continue, on s'arrête pas. Toute la loyauté que j'avais envers la CGU, ces salauds m'ont cogné jusqu'à me la faire perdre. Mais ça me fait quand même mal au cœur de voir Jin s'en remettre à ses poubelles améliorées. Tu peux toujours te réengager. Les postes d'officier viennent tout juste de se libérer. Ça a été porté fabricateur aussi. Je suis plutôt du genre à tirer qu'à tirer. Citoyen, vous êtes dans une zone illégale. Les TR1, écoutez-les. Ah mais c'est... On peut rien faire, c'est eux qui veulent le transporter. Eh, hey, par ici. C'est bien le chemin qu'on a pris à l'aller, on est plus très loin. Ils l'ont lâché pendant 2 secondes. Il manquait plus que ça. Les snipers. Quoi? Vous pensez que Jin s'ennuie? La sortie est devant. Merde. J'espère que les robots de Jin n'ont pas trouvé de chose. Ne t'en fais pas pour l'affreux. Il se débrouille tout seul. Terrible lag. Hein? Félicitations. Allez, lag. Vous avez presque réussi à faire sortir le fabricateur du camp. Et maintenant... Bien. Maintenant, on utilise cette grue pour se créer une issue. Facile. Maintenant, on va encore faire facile, un gunfight. Hein. Il n'y a pas de commande. Seul un devpot peut faire marcher ce truc. Bon, il doit y avoir un moyen de la descendre. C'est bon. Ouais, ouais. Allons-y. Et c'est reparti. Vas-y, à moi.
Attention à l'explosion! Ok, les déserteurs. Vous vous en êtes bien sortis là-bas. Bien sortis ? Oh, désolé. Je voulais dire magnifiquement. Je n'avais encore jamais vu de telles prouesses. C'est bon, pas la peine d'en faire des tonnes. Ah, content de te revoir, petit. Votre copine, Jean. Elle est du genre tenace. Entièrement d'accord. Oscar, viens, il faut partir. Désolé, mon joli. Je conduis. Très bien. Tu conduis. Bon, j'ai besoin que tu nous couvres. Tu tires bien mieux que moi. Vraiment? Non! C'était juste pour te convaincre. Une licorne. Je suis soulagée de vous revoir. Je m'apprêtais à partir au camp 5. On a eu des imprévus. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais court. La CGU va pas tarder. Et combien de temps on a? Le portail cinématique se fait. Je vais aller l'accueillir. L'accueillir ou l'accueillir? Aena, je suis ici pour mon peuple. Veuillez vous écarter. Vous n'avez aucune autorité ici, madame. Alors, voici ce qui va se passer. Ceux qui résistent à la justice de la CGU seront punis. Comme au camp numéro 2? Vous avez le choix. Vous oubliez une chose. Ah oui? Et laquelle? Elle devrait faire attention, ce robot. Ici, ce n'est pas le camp 2. Bon, réunion fructueuse. Ce n'est pas fini. Vous deux, prenez le fabricator et suivez-moi. Gabriel! Ok. On doit sécuriser le hall avec le fabricator. Allez! Ça va être un peu loge, je crois, non? Si tu veux.